Gemma, veux-tu me signer ça? Qu'est-ce que c'est? Rien. Mais faut que tu signes, c'est tout. Je suis pressée. Je veux pas manquer mon autobus. Une minute, là, toi. Je signe pas n'importe quoi, moi. D'autant plus que cette feuille-là, c'est ton bulletin. Mais oui, c'est mon bulletin. Oh, dépêche-toi, maman. Je vais avoir une retenue si je le rapporte pas ce matin. Ben oui, mais Nathalie, il fallait y penser avant, c'est tout. Je l'avais dans mon sac depuis une semaine. J'avais complètement oublié. C'est pas dans ton habitude, ça, toi? Une ou deux fois, j'ai pensé, mais t'étais pas là. Ou t'étais trop occupée. Tiens. Mais dis-moi donc, Nathalie, comment ça se fait que t'as une si mauvaise note en mathématiques? Je sais pas. C'est ma plus basse note. T'as pourtant toujours été bonne là-dedans? Je sais. Mais depuis cette année, je comprends plus rien. Je travaille autant qu'avant, mais on dirait que ça bloque dans ma tête. Tu sais qu'en mathématiques, faut pas prendre de retard. J'ai de la misère, maman. Des fois, j'ai quasiment peur de pas passer mon année. Ben voyons donc, toi. Penses-tu que des cours privés, ça t'aiderait? Qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui voit ton travail? Peut-être. Je te le dis, le dernier examen que j'ai passé, tout était blanc dans ma tête. J'ai pas trouvé deux mots à mettre sur le papier. J'ai copié. Nathalie! T'aurais mieux aimé que j'ai zéro. Mais zéro, maman, à mon examen du trimestre. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Maman, je vais plus jamais être obligée de faire ça. Je pense que t'as raison. Faudrait que quelqu'un m'aide. J'aimerais tellement pas ça recommencer mon année. Ben, c'est correct, Nathalie. Inquiète-toi pas. On va chercher quelqu'un, puis vite. Bon, là, je vais y aller. Sinon, je vais manquer mon autobus. Nathalie, embrasse-moi. Bonne journée, maman. T'aurais dû me dire ça plus tôt, toi. Je sais. Mais des fois, on sait plus quoi faire. On a peur. Et là, je me sens pas mal mieux. Bonne journée, ma fille. Ouais. Ils sont vraiment heureux de mon mariage. Ils ont bien hâte de te connaître. Pendant ces trois jours d'ici dimanche, tu vas me parler d'eux. Jusqu'ici, ta famille n'a pas beaucoup existé pour moi, mais à l'avenir, je veux qu'elle prenne une place importante. Ma mère a eu 13 enfants. 13 enfants? Mm. Quel courage ça devait prendre. Ouais, mais par contre, je dois dire qu'elle a connu l'aisance. Mon père a toujours fait l'élevage sur une grande échelle. D'abord le bœuf de boucherie, le porc, puis ensuite, quand la mode de manger du poulet est arrivée, ben, il a été un des premiers à investir dans d'immenses couvoirs. En quelque sorte, il a fait tranquillement fortune. Par contre, je dois dire qu'il a travaillé fort pour ça. Quel âge ils ont? Ma mère, 75, et mon père, 78. Oh, quand même. Et moi, je suis le 10e enfant. Mon frère est né Monseigneur à Mont-Laurier. Mm-hmm. Les numéros 5 et 6 sont prêtres, un au Guatemala et l'autre à Sherbrooke. J'ai deux sœurs qui sont religieuses, dont une qui est supérieure de toute une communauté. C'est rien, ma mère a eu un oncle qui était évêque et deux de ses frères étaient curés de grosses paroisses. Arrête, je vais me sentir mal à l'aise dimanche. Je commence à comprendre ce que tu veux dire. Ben, comme tout le monde, ils ont eu leur peine et leur tracas. Surtout depuis que j'ai deux sœurs qui sont à côté puis une séparée. Mm-hmm. Alors, l'annonce de mon mariage à l'église, ça leur a fait une grande joie. Parce que je leur dirais pas que si tu avais voulu un mariage civil, ben, j'aurais pas protesté. Hmm. Ben oui, tu me disais ça. Mais si je suis pas catholique à 100%, je crois quand même profondément en Dieu. Et pour moi, le vrai mariage garde un caractère sacré. C'est une promesse, une responsabilité que je prends devant le Tout-Puissant et à laquelle je resterai fidèle par respect pour moi. Ah, le destin. Il faut y croire, hein? Et je me demande ce que j'aurais fait si je t'avais pas rencontré, moi. Et moi, donc?
Allô? Non, c'est pas vrai. Marcel, c'est pas toi? Ouais. L'enfant prodigue. Ben oui. Puis, donne-moi des nouvelles de maman. Elle est pas au bureau? C'est pas parce que... Non, non, rassure-toi, elle est pas morte. Pas assez proche, par exemple. Hein? Toujours sa pression artérielle. Tu comprends? Elle se soignait pas. Mais là, elle va beaucoup mieux. Je suis venu le plus vite que j'ai pu. Plus vite que t'as pu? Où est-ce que t'étais? Sophie a essayé de te rejoindre. Justement, c'est sa lettre que j'ai reçue seulement hier. J'ai pris la voiture, puis je suis venu le plus vite que j'ai pu, je te jure. Mais pourquoi, quand tu quittes un endroit, tu nous laisses pas au moins une adresse? C'est simple, maman aurait pu mourir sans que tu la revoies. Depuis quelque temps, justement, j'avais décidé de renouer avec vous tous ici parce que j'ai enfin une adresse. Je réalise seulement depuis hier que maman est plus jeune. Mais maintenant, j'ai des bonnes nouvelles pour elle. Je vais me marier, Mireille. J'attends un enfant pour le mois de mai. C'est pas vrai. Ouais. Puis où est-ce que tu vis? À Burlington, aux États-Unis. Tu vis là? Ouais, en touriste depuis des mois, mais je vais m'établir définitivement. Je vais même profiter de mon voyage ici pour récupérer mes papiers. J'ai même pas de baptistère. Et je pense que t'aimerais beaucoup ma femme. Ben, ben cute. C'est tout toi, ça. Tu te maries à une femme bien cute que t'as mise enceinte. Ben oui. Ben, c'est de sa faute aussi, hein. On n'a pas idée. Ben, comme son père et mon patron. Ah, je comprends tout. Et le patron est américain? Non, franco-américain. Monsieur Durai Vage. Non, c'est que dans le temps, là, à Venise, en Québec, le grand-père était un dur rivage. Tu sais, c'est comme dans l'histoire de Sweet Breeze McAdam, là, qui s'appelait Zéphirin la rue à sa naissance. Tu te rappelles? Pauvre petite femme, je l'ai plaint parce que t'as pas l'air d'avoir changé tellement. Tu parles. Il y a des choses auxquelles je renoncerai pas. C'est ce qui fait mon charme. Mais quand même, là, à 26 ans, je suis pas mécontent de me ranger. Je m'entends bien avec ma petite Daphné, je gagne bien ma vie. Tu gagnes bien ta vie. Puis dans quoi? Camionnage et transport. Ouais, mon beau-père a une petite compagnie qui marche bien. J'en reviens pas. Et je te dis qu'il va, quand maman va revenir de Joliette ou est allée voir son médecin, il va falloir lui annoncer ta présence tout doucement. Hein? Ouais. Et puis, mes sœurs vont bien? Très bien. Sophie donne des cours de céramique et réussit très bien. Ouais. Puis Émilie prépare des études supérieures. Elles sont là, toutes les deux? Non, non, Émilie est à ses cours, mais Sophie est sûrement son atelier. Comme ça, tu penses qu'il va falloir que je ménage mes effets, hein, pour ce qui est de maman? Ah oui. Tu vas me laisser lui annoncer les choses avant de te montrer. Je t'ai pas dit, hein. Je m'achète une maison. Ouais, pour l'instant, on vit chez les beaux-parents, mais au mois de mai, on va déménager chez nous. Tu t'achètes une maison avec quel argent? Ben, disons que je vais continuer à la payer tranquillement. Parce que ce qu'il a fallu donner comme comptant, là, c'est notre cadeau de noces de la part des beaux-parents. Ben, ils ont seulement deux filles. Hein. Fait qu'ils peuvent les gâter, tu sais. Puisque maman rentrera pas avant une bonne heure puis que t'es là, je vais te parler sérieusement. Ouais? J'allais d'ailleurs commencer des recherches pour te rejoindre. Mais je te cacherai pas qu'il y a, quelques mois, la cimenterie périclitait. Ça va un peu mieux parce que la crise générale s'atténue, mais maman s'est fait tellement de soucis que c'est ça qui l'a rendue malade. Les dettes s'accumulaient, elle savait plus où donner de la tête. Puis, comme tu vois, c'est moi maintenant qui suis à sa place. Puis moi non plus, je suis plus toute seule. Je vis avec un homme qui travaille avec moi à cimenterie. Il voit aux ateliers, à l'usine. Ah, c'est parfait, ça. Attends. La cimenterie, c'est une succession. Évidemment, si elle avait fait faillite, personne n'en aurait rien retiré, mais dans les circonstances actuelles, on peut imaginer que tout va se remettre à marcher normalement puis que ça sera notre héritage à tous. Ah ouais? C'est pour ça que je vais te demander tout de suite. As-tu l'intention de revenir un jour ou l'autre au pays puis de voir à la cimenterie? Pas à toutes. Hey, je suis installé là-bas définitivement, moi. Écoute, je voyage pour le beau-père, je vois ses affaires avec lui. Ça fait presque un an que je suis là-bas. Bon. Ben, dans ces conditions-là, accepterais-tu de te départir de tes parts dans la cimenterie? Je suis en train de travailler avec un notaire à établir une nouvelle compagnie en bonne et due forme. Maman présidente avec des parts, puis les quatre enfants également. Les parts qui te seront allouées si tu y vois aucun intérêt,
Tu pourrais les vendre? Les vendre? Est-ce qu'elles auraient vraiment de la valeur? Une valeur qui te sera soumise avant longtemps. Mais à qui je les vendrais? Pour ça, t'inquiète pas. Je pense à mon homme qui m'aide à remettre tout en bon état de fonctionnement puis de bonne administration. Par contre, si tu veux garder tes intérêts dans Cimenterie, je veux pas qu'on puisse dire que c'est moi qui t'ai poussé ou forcé à vendre tes parts. Ouais. Ouais. Je suis trop loin, moi. Puis la Cimenterie, ça m'a jamais intéressé. Puis en plus, ben, si je réussissais à vendre mes parts avant mon mariage, les deux rivés, j'aurais pas l'impression de donner leur Daphné à un tout nu. Ben, dans ces conditions-là, aussitôt que tout sera bien établi chez le notaire et qu'on aura évalué les valeurs des parts qui nous seront dévolues, je te ferai parvenir un dossier puis tu prendras ta décision. Eh bien, parfait. En tout cas, si j'ai pas tellement changé, toi non plus, hein? T'as toujours une tête sur les épaules. Hey, parle-moi donc un peu de l'homme de ta vie. Il est en quelque sorte gérant du travail ici. C'est un gars qui n'a pas encore donné sa pleine mesure, mais je sais qu'il est plein de possibilités. Il y a ce qu'on appelle de l'envergure. C'est un genre qui me plaît. C'est un bon amant. Ouais. Enfin, disons que... Disons que je l'aime. Ah, écoute, c'est parfait, ça. Ouais, je suis content de revenir ici, moi. Dis-tu, je crois qu'à l'avenir, là, vous me verrez poindre de temps en temps au pays avec ma petite famille. Et à propos, sais-tu ce qu'elle est devenue, mon ex-fiancée, la petite Jacqueline? Oh, elle est mariée et elle a deux enfants. Elle est mariée? À qui? Laurent m'a dit que c'était avec son cousin, Michel Jacqueline. Michel? Oh, hey, ça m'étonne pas. Oh, il l'a toujours aimé, lui. Je m'en rendais bien compte, hein? Il était assez jaloux de moi. Ouais, quoique, il est bien plus le genre qu'il fallait à Annick, là. Annick, c'était comme un petit ange. Puis toi, qui c'est que t'as choisi? Un gars du bout? Moi, je vis avec le beau-frère de ton ex-fiancé. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Ben oui. L'ex-mari de Berthe Dantin, la sœur d'Annick. Oh, non! Non! Ouais, je te dis que les Jacquemin doivent pas porter les Dutilly dans leur cœur, hein? Ouf! Lâchons ça, Mounia. Venez-en prendre un café, ça va nous faire du bien. Non, je dis pas non. Chaque fois que cette déclaration personnelle d'impôt arrive, c'est une vraie corvée. Je suis assez contente de vous avoir confié ce travail-là cette année. C'est que vous en avez tellement à faire. Entre votre commerce et vos quatre enfants, ça vous donne pas grand temps pour respirer. Allez donc vous asseoir, je vais vous servir. Jamais de la vie. Assoyez-vous, c'est moi qui vais vous servir. On peut dire que vous avez des idées modernes, vous? Je ne sais pas si elles sont modernes. Seulement un petit peu de lait, hein? Oui, s'il vous plaît. Mais chez nous, ça a toujours été un peu comme ça. Mon père partage beaucoup de besognes dans la maison avec ma mère. Et quand il est là, bien sûr. Ben, merci beaucoup. Et vous aimez donc ça, les chiffres, vous, hein? Je ne sais pas. Je me suis jamais demandé. C'était facile pour moi. Quand j'étais à l'école, mon père m'expliquait si bien les mathématiques que c'est devenu une seconde nature, en quelque sorte. Ouais. C'est pas tout le monde qui a un père pour leur expliquer les mathématiques. Pourquoi vous dites ça sur ce ton-là? Ben, mon aînée, Nathalie, a eu une bien mauvaise note pour son bulletin ce mois-ci. Pourtant, c'est une travailleuse, puis c'est une fille bien correcte. C'est notre séparation qui la bouleverse. Je le sens tellement. Elle s'en va sur ses 14 ans. C'est un âge délicat. Ah, vous avez raison. Dites donc, je peux peut-être y donner un coup de main, moi, à cet enfant-là. Vous pensez? Oh, vous pouvez pas savoir le soulagement que vous m'apportez. J'ai vu ma petite fille tellement découragée un matin. Tellement insécure.
C'est une fille sensible. Puis, l'adolescence, c'est pas facile à passer. C'est parce que les jeunes, aujourd'hui, ont leur franc-parler qu'on se rend pas toujours compte de leurs peurs, des chagrins qu'on leur fait. Oh, je vais y faire votre proposition aussitôt qu'elle va arriver. Je vais vous en reparler. Ah. Les enfants, hein? Il y en a toujours un qu'il faut protéger un peu plus. Puis les miens sont jeunes encore, même mon aîné. Avant, au moins, c'était mon mari qui voyait à leurs devoirs, à leurs études. Ah, vous avez raison. Le rôle de femme chef de famille, c'est pas toujours facile. De notre côté, c'est les enfants qui me donnent du courage. Coudonc, n'avez-vous des enfants? Vous êtes-vous mariés? Non. Oh, vous avez bien le temps. C'est une façon de parler. À cause de ma taille, on me croit toujours plus jeune que je le suis. Chanceux. Moi, je trouve que depuis ces derniers temps, j'ai assez vieilli, là. Ben, nous sommes à peu près du même âge. Je veux dire, il me semble que les femmes sont plus belles à cet âge-là. Ah. Merci du compliment. Bon, si on retourne travailler. Vous savez, avec tout le paquet de petites factures qu'on a retirées, vous avez de quoi faire un voyage? Faire un voyage? Ben, je n'ai jamais fait beaucoup. Ni bien loin. Je pense pas que ce soit aujourd'hui que je commence. Oh, les voyages. On n'y prend vite de goût. Ça compense souvent pour bien des tracas. Bien des peines. Ça compense parfois pour bien des rêves manqués. Allô? Hugues Lacroix est en consultation sur une ferme. Vous pourriez appeler au bureau et laisser un message? Ah, je comprends. Mais écoutez, je suis au courant, je suis la femme de M. Lacroix. Oui, oui, je peux essayer de le rejoindre, il n'est pas tellement loin dans les environs. Son fils? Oh, mon Dieu. Craignez rien, je vais le prévenir. Oui, oui, je vais aller chercher moi-même. On sera là dans une heure. Merci. J'ai soif. Tellement soif. C'est quelque chose de frais. Veux-tu un jus de pomme? Oui. Là où il est parti. Dis-toi qu'il est enfin heureux.
qui est enfin ce qui aurait dû être ici-bas. Une âme à part entière. T'as déjà dit qu'il était rien, pourtant je l'oublierai jamais. Non, moi aussi. Oh, jamais. On dirait qu'il a attendu qu'on soit vraiment unis et sûrs de nous pour s'en aller. Moi aussi, je le crois. En fait, tu vois, il y a très peu de différence entre sa mort et sa vie. Ah, j'ai mal. J'ai mal. Il me manque déjà. C'est comme s'il m'avait abandonné. C'est comme si c'est lui qui était le fort et moi le faible. Cette idée de plus jamais le voir, le regarder étendu sur son lit. C'est comme si c'était moi qui se sentais orphelin. Depuis des semaines, je me représente ton histoire. La vie de cet enfant, la détresse que tu as traversée pendant toutes ces années. Pauvre amour. C'est vraiment pas une journée comme les autres. Ce matin, tu m'as parlé de ta famille. Et enfin, j'ai compris ta réaction, ta façon de vivre pendant toutes ces années. Il fait froid, tu penses pas qu'on devrait rentrer? Demain, ça va être une autre dure journée pour nous. Mmh. On va nous l'amener. Je vais aller acheter un terrain au cimetière. On aura notre terrain à nous. Aussi que j'appelle la mère de Nathalie, qu'elle sache. Tu parles, Jacquemin? Oui, oui. Je suis sûre qu'ils vont venir prier avec nous. Oh, mon Dieu. Je vous remercie de m'avoir donné Elisabeth. J'aurais été si seule sans elle ce soir.